Vous me connaissez depuis un bon petit moment maintenant, je ne suis plus le genre de youtubeur qui, dès qu'il a un 100 000e trailer, se met à gueuler, se met à crier à la hype et tout. Parce que voilà, premier trailer, d'accord, on est hype, on est dans tous nos états. Deuxième trailer, d'accord. Mais après, c'est bon, on a atteint un certain niveau de hype que même, c'est bon, on sait ce qui va se passer, on n'est pas forcément forcé de crier, de gueuler, de hurler devant tous les trailers et tout, et de tout le regarder. Mais là, pour le coup, mesdames et messieurs, ce qu'on est sur le point de voir durant cette vidéo, ah, on n'est pas prêt. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui était très inattendue, je vais pas vous mentir, pour la simple et bonne raison qu'on vient d'avoir un mini trailer de 30 secondes entièrement fait en CGI du côté de Marvel Spider-Man 2. J'allais pas en faire une vidéo, mais après j'ai vu une image ou deux qui circulait sur les réseaux sociaux, je me suis dit ok, ça a l'air badass, il faut absolument que je réagisse à ça durant une vidéo YouTube. Du coup prenez ça comme une vidéo informative entre guillemets, parce que encore une fois, je vais pas me mettre à gueuler devant un trailer de 30 secondes sur surtout que maintenant c'est bon, j'ai arrêté de voir tous les trailers, tous les gameplays, etc, etc. C'est vrai, le premier, on était dans tous nos états et c'était légitime. Le deuxième, on était dans tous nos états et c'était légitime. Mais là, à chaque fois, gueuler devant un trailer, à chaque fois dire « Ouais, c'est incroyable, ouais, c'est incroyable, ouais, c'est incroyable », c'est plus trop mon truc. Du coup, on va juste regarder ce petit trailer. Cette vidéo est un peu informative d'un côté pour vous dire qu'on a eu un petit trailer. D'un côté, juste pour le regarder, l'analyser et vous dire ce que j'en pense. Du coup, ça va être très rapide, pas comme les autres vidéos de la chaîne de 10 à 12 minutes. Vraiment un truc rapide. Dès que ça se termine, ça se termine. Du coup, on prend notre petite tablette, petit pouce bleu, abonne-nous si ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global de la chaîne YouTube. Et sur ce, on va voir ce que nous propose ce petit trailer. C'est parti. Ah, ça arrache quand même. Oh, ça arrache. Oula. Qu'est-ce que... Où ce plan sur Peter? Ah, quand même. Hein. Ah, quand même, mesdames et messieurs, c'est quelque chose. C'est 30 secondes, hein. C'est 30... Wow. Oh. 30 secondes, mais c'est quelque chose quand même. C'est terminé, c'est terminé, voilà, mais 30 secondes, c'est quelque chose. Alors ce trailer ne va pas du jeu, c'est un trailer fait en CGI, et c'est ce moment où ils vont commencer à balancer des trailers en CGI, ça va arriver en masse, mais qu'est-ce que c'est stylé. Bon, on va pas se mentir, ce plan de Peter, on dirait Tom Holland, c'est Tom Holland en fait, c'est pas on dirait Tom Holland, c'est Tom Holland durant la scène où il était en train de pleurer tant de pétou, c'est la même personne. Je me ferai jamais à ce visage, mais quand même, les plans, la musique, la hype, le combat contre Venom, le désespoir, tout ce qu'on aime dans un Spider-Man est présent dans ce trailer, et je trouve ça juste incroyablissime. Et c'est juste ce que j'avais à dire durant cette vidéo. Vraiment, parce que on va pas tergiverser 10 000 ans durant pour une vidéo de 30 secondes, parce qu'il n'y a rien, c'est juste stylé, c'est juste hypant, et c'est hypant. Et je croyais qu'on avait atteint un certain niveau de hype, on peut pas faire plus. Mais là, pour le coup, ils ont fait plus. Franchement, c'est beaucoup trop stylé. Et je pèse mes mots, c'est archi stylé. Merci Somniac pour ce genre de communication. Vrai, mesdames et messieurs, dites-moi en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit trailer. Vidéo très rapide, mine de rien, juste de quoi vous dire qu'il y a eu un petit quelque chose. Voilà, la vidéo unboxing arrive dans quelques minutes de la manette. Restez branchés sur la chaîne. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu apprécies le contenu global de la chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Damiat, portez-vous bien.